En chinois mandarin, le terme littéraire Jianru signifie « rivières et lacs » et désigne un milieu en marge de la société traditionnelle dans lequel on peut trouver des pratiquants d'arts martiaux, voire des redresseurs de tort faisant fi de tout principe. Il faut savoir par ailleurs que la cuisine de Chongqing est également appelée cuisine Jianru. C'est donc pour découvrir ce style culinaire que notre équipe gastronomique a décidé de visiter tous les coins et les recoins de Chongqing. Partons sur les marchés et chez les pêcheurs à la découverte des histoires cachées des saveurs Jianru. Nous rencontrerons les grands maîtres des différentes écoles de cuisine Jianru et goûterons à satiété du pimenté et du poivré. Alors commençons sans tarder notre enquête. Que désigne au juste la cuisine Jianru de Chongqing? Au cours de l'histoire, la ville de Chongqing a reçu de nombreux surnoms, tels que la ville montagne, la ville brouillard ou encore la fournaise. Aujourd'hui, on la désigne même comme la capitale des ponts. Mais au-delà de ces quelques caractéristiques, si Chongqing marque autant les esprits de ceux qui s'y rendent, c'est surtout pour quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, le goût. En effet, que ce soit la fondue pimentée et poivrée, les poissons du Yangtze, le poulet de source ou bien le sang caillé, toute une palette de plats Jianru peuvent s'y déguster. Les Chinois de Chongqing ont une prédilection pour le pimenté et le poivré. Et lorsqu'on parle de cuisine Jianru, on ne peut pas ne pas mentionner les grands noms qui ont marqué ce style. Alors si vous voulez connaître tous les secrets qui leur ont permis de jouir d'une telle notoriété, il n'y a plus qu'à nous suivre à Chongqing, en commençant par une rue bien spéciale.自古以来，有人的地方就有江湖，而在重庆有江湖的地方就一定会有江湖菜。这条街其实也被叫做江湖菜一条街，因为在这儿你可以吃到重庆江湖菜当中各大菜系的菜。不过对我而言，提到江湖菜三个字儿，第一反应一定是火锅，因为火锅也算是江湖菜当中历史最悠久的一道菜。所以既然这次调查的任务是什么是重庆的江湖菜，那既然来都来了，第一件事儿肯定是吃火锅去。 La fondue de Chongqing se divise en deux catégories, dites de l'eau et de la terre, suivant si elle trouve son origine dans le port fluvial ou dans les caravanes de chevaux. La plus fameuse étant la fondue de gras double. Mais plus que de goûter à cette fondue en particulier, c'est surtout la saveur pimentée et poivrée, carte de visite de la cuisine Jianru, que s'est fixée pour objectif notre équipe gastronomique. Monsieur Yang se targue d'avoir visité pas loin de 2000 restaurants pour goûter à leur fondue. Dans son propre restaurant, le secret de la popularité de sa fondue réside dans la soupe maison et les gras doubles qu'il utilise. Après quelques verres, M. Yang va nous emmener en cuisine pour voir tout le processus aboutissant à la soupe en question. Cette façon de préparer la soupe de fondue bouleverse ce que l'on croyait savoir sur le pimenté et le poivré. En effet, première chose indispensable, le beurre. À l'en croire, un ingrédient qui garantirait l'authenticité de la saveur. Pour M. Yang, la préparation se déroule grosso modo en 7 étapes et dure 3 bonnes heures. Les condiments qu'il fait frire, tels le piment et le poivre, sont soigneusement sélectionnés. Quant à la saveur, elle devra correspondre à la description suivante. Le poivré avant le pimenté, le poivré sur les lèvres, le pimenté sur la langue. Pour ce genre de fondue classique, l'essence de la saveur réside dans l'assortiment des différentes variétés de piments ainsi que dans le contrôle de la cuisson. En effet, à Chongqing, rien n'est laissé au hasard et la simple combinaison du poivre et du pimenté devient ici, sous des mains expertes, un art culinaire des plus subtils. Si réussir une soupe est le fondement de toute chose, les gras doubles de qualité supérieure sont la clé du succès pour toute fondue de Chongqing digne de ce nom. On dit même que le nombre de clients est proportionnel à la qualité des gras doubles que propose le restaurant. En effet, nombreux sont les gourmets qui sont prêts à toutes les extrémités pour pouvoir déguster des gras doubles de qualité supérieure. Dépenser des fortunes pour s'assurer d'avoir une place, ou même faire ami-ami avec le patron. Question, quels sont les meilleurs gras doubles de Chongqing et dans quelle mesure la demande dépasse-t-elle l'offre? «
Les gras doubles sont donc des membranes d'estomac de bœuf, des membranes qui ne peuvent se conserver que 12 heures. C'est donc pour cette raison que le meilleur moment d'aller faire son marché se situe entre 1h et 2h du matin. Cela fait déjà plus de 3 ans que Yang Ke achète ses gras doubles ici. Malheureusement, il a un peu de retard aujourd'hui et à présent, il risque de ne pas pouvoir trouver assez de gras doubles de qualité. Ah, ce gras doubles est bon. Ce gras doubles est bon. Vous voyez ce gras doubles, vous voyez ce gras doubles, il y a un peu de sucre. Ah, oui. Ah, très fin. Oui, oui, oui. Il y a un gras doubles qui est bon. Le prix est bon. Vous pouvez vous laisser. Ah, Lian Lian, aujourd'hui, j'ai acheté quelques. 最多拿两个鸡笼的嘛，两个少了三个，三个嘛，三个，三个，不过他才给仨，啊，他只给我两个，不过三个都很不错了，真的，就还是三四年的关系才能给仨，是吗？对对对，把水挤一下太贵了，这个东西，挤一下，哎，你看嘛，有水分，一点水分，啊，几点水嘛，40块一斤，挤一两就是4块，这是生意人啊。 La volonté farouche de garantir une fondue à la saveur classique est la clé du succès commercial de M. Yang. En même temps, ceux qui prônent les nouvelles tendances n'ont de cesse d'améliorer leur savoir-faire. Les cuisiniers sont ainsi toujours à l'affût de nouvelles recettes auxquelles ils aiment ajouter un vernis de culture afin d'attirer les clients. Aujourd'hui, la fondue traditionnelle de Chongqing est en perpétuel renouveau. Cet esprit novateur, qui est d'ailleurs l'un des traits de caractère des Chinois de Chongqing, se manifeste aussi par les différentes écoles de cuisine Jianghu. Mais quels sont les plats les plus représentatifs du style Jianghu? Il n'y a plus qu'à poursuivre notre enquête en rendant visite à des créateurs de tendances.现在的调查题目叫做：泥鳅是怎么变胖的？人是怎么变胖的？我知道，这泥鳅没什么概念。要想调查这件事儿，咱得先见一个人。不过要见他的话，现在这身行头不太行，得先换身衣服。要想了解江湖菜，你必须得拜见这个门派当中所有的掌门人，而下面要拜见这位显得稍微有那么一点点特殊，他号称味儿吃。 也就是说，他能记住他所有尝过的味道，并且能把这个味道做得出来。下面我就要去拜访他，只不过拜访他的方式稍微有那么一点点帅。Rock and roll. Apparemment, ce genre de style ultra cool enthousiasme au plus haut point notre ami. Avant le départ des moteurs, notre enquêteur n'a pas oublié non plus de saluer Monsieur Yi, le légendaire fou du goût. Yishu, grand amoureux des Harley Davidson, est l'un des cuisiniers emblématiques de la cuisine Jianghu. Aujourd'hui, la chance est avec nous, puisque son club de Harley avait prévu une sortie de groupe. Ce groupe de motards stylés, chevauchant leurs montures d'acier, est un spectacle en soi. Même si notre enquêteur n'a échangé que quelques mots avec Monsieur Yi, on sent tout de suite le côté Jianghu d'un style de vie hors norme. Une Harley Davidson, c'est bien plus que juste un moyen de transport. Ce genre de machine, très personnalisée et que l'on cherche à améliorer sans cesse, devient ainsi pour son propriétaire le signe extérieur de sa propre personnalité. Comme à son habitude, la balade terminée, Monsieur Yi invite ses potes dans son restaurant où ils pourront se régaler de cuisine Jianghu tout en parlant de leur passion. Comme moi, ce
还有一种创新的东西。其实江湖菜可能跟哈雷也那个性格也有吻合的地方哈。哦，我可能还有点不一样，我还是在坚持。我做江湖菜做了十年了，我十年从来没改变我自己的想法，就是对菜品的质量的要求，我从来没有改变。这个汤头也是我们很招牌的一个菜。这个菜的话，在全重庆市能做出这种味道的，超不出两家。De quelle manière grossissent les loges des temps ? La réponse se cache dans l'une des créations de Monsieur Yi. Le plat en question serait épicé juste ce qu'il faut, avec une saveur poivrée accentuée. Étant l'une des spécialités les plus connues de son restaurant, elle est fort appréciée des clients. Pour réaliser ce plat, il faut une variété locale de loges des temps et pas moins de 20 spécimens. Zong! 那个就轻轻的抓，一定要轻，主要是。哇！不，啊，这一手就抓下来了。对，一手抓，对吧？啊，我好不容易才抓上来一条，这还在，别动了。啊！我记得我小时候老玩泥鳅，玩的就是那抓不住的感觉。现在想让它抓住还真是一个问题，它就老从指缝溜走。嗯。你先抓住它的头。啊，先抓头了，先轻轻的握住他的头，轻轻的拿着。哎呀呀呀，这成功了！哎呦我天！Par rapport à la maladresse de notre gourmet, Monsieur Yi, qui côtoie les loges des temps depuis déjà une dizaine d'années, a les gestes assurés d'un expert. Il nous explique que la loge des temps est très nutritive et possède une chair délicate. Mais attention, une cuisson excessive et c'est la chair qui s'effiloche. Une cuisson trop faible et ce sont les saveurs qui n'imprègnent pas le poisson. Ce n'est donc qu'après des années de pratique et de mise à profit de l'expérience de confrères que notre cuisinier a fini par élaborer ce plat Jianhu.经常去全国很多地方吃嘛，去看嘛，去学习嘛，一般我对这可能对做菜的悟性还是比较高的，尝一下就知道这怎么做了。对对对，有没有失误的时候？也有，很少。举个例子说，我有个凉菜脆皮黄瓜，那个脆皮黄瓜，我花了很大的精力去学习。是别人家的菜是吗？是别家的菜，是一个小孩做的。我去看的时候呢，我去。吃了无数次了，回来做怎么都不像。过后我都去找到那一个小孩，我就忍不住了嘛，我就找那个小孩，我说你把你的技术交给我，我说我给你8000块钱。给八千？对，给了8000块钱。啊，一黄瓜？啊，对，一个黄瓜。这个小孩呢，结果他对着我耳朵说了3个字。你8000块钱买了仨字？啊，八千块马上我就数给他了，就交在他手里。哪仨字？这个不能说这个。这个因为我是花了钱学的，这个我绝对不能做。这个我倒是理解啊，我马上回来就会了，跟他做的一模一样，而且味道我经过调制比他做的还要好。这还挺神的哈。Quant à savoir comment grossissent les loges des temps, Ichu nous explique qu'elles grossissent en absorbant la soupe. Pourtant, si l'on suivait le savoir-faire traditionnel, les poissons s'effilocheraient avant même de pouvoir grossir et s'imprégner des saveurs. Alors, comment avoir des poissons pleins de jus et qui restent intacts ? Le secret tient au savoir-faire du Jianhu. Cuisiner des loges d'étang dans une cocotte minute, c'est ce qui s'appelle une innovation. On fait donc cuire des loges d'étang et du sang de canard coagulé dans une soupe maison. Une fois que les poissons ont absorbé la soupe, on verse le tout dans une cocotte minute. 这么大一锅就装那么点儿？这焖多久？5分钟。这么简单？这鱼能变烫？对，就这办法你怎么想到的？因为做了很多次，我反复的做了无数次以前，在之前做这个菜之前呢，可能在泥鳅上面我都花掉了300斤泥鳅吧。上百斤？这么大泥鳅你花上百斤？对，我做过很多次。哇，每个器让你摸一下，它这个行。是过后因为我做米饭的时候用高压锅压米饭，我感觉比以前我们上笼蒸米饭效果还要好。结果就想着办法做的就不如拿高压锅来试一下，结果很好，效果比以前好得多了。Enfin, on verse les loges d'étang dans une soupière et on arrose le tout d'huile au poivre que l'on vient tout juste de frire. Ainsi, en l'espace de 10 petites minutes, les grosses loges d'étang, l'un des plus célèbres plats Jianhu, sont enfin prêtes. Grâce à leur passage à la cocotte minute, les loges d'étang sont presque deux fois plus grosses.
Ce plat Jianhu est donc le résultat d'une recherche poussée et d'une multitude de poissons sacrifiés. Ah, 果然比原来大了, 变饱满了是吧? 饱满的多了。 我就吃了啊, 就不客气了。 哇，跟吃豆腐一样那种感觉。对对对，真的是太嫩了。就是什么叫入口即化，这个泥鳅就是最好的诠释，放到嘴里像豆腐一样就化散在嘴里了。哇，而且特别鲜，一点腥味都没有。它的特点就是麻辣和鲜香嘛，吃下这个鸭血也是很嫩的。 这鸭血的味道也很好，这个鸭血也是入味了。对对对，这个很神，都是高压锅的那个功劳。对对对对对，如果按照传统的做法，永远做不出这种味道来。我的江湖菜就有它独特的个性，就像我们玩车一样，把任何东西就做到极致，玩车玩到极致，做菜也会把做到极致。性格就是玩，对对对。但是既然咱玩了，就要玩到极致。对。 我认为这就是我认为的现代江湖。Monsieur Yi, connu pour avoir goûté à tous les plats des différents styles et en avoir retiré un vaste enseignement, a été surnommé le fou du goût dans le milieu du Jianhu. D'ailleurs, les plats qu'il a créés après des recherches intensives sont à l'image de sa passion pour les motos. Il faut dire que ce dernier n'a eu de cesse de rechercher son propre style à travers toujours plus d'améliorations pour trouver enfin son petit coin de paradis aux couleurs du Jianhu. Sur notre lancée, poursuivons notre découverte des autres délices de Chongqing. En effet, notre enquêteur du goût a entendu parler d'un plat de poisson dont la préparation nécessiterait quelques aiguilles d'acupuncture. C'est donc piqué par une curiosité dévorante que notre gourmet part mener l'enquête. <音>见到之前，我们应该先保持安静。谁是好儿女？这个呀，给胎儿鱼做针灸。哇，很香吧？好香，好香，好香！嗯，我没有尝过这么入味的。 Dans un tel cadre, on serait à mille lieues d'imaginer trouver une experte en cuisine Jianhu. Nous allons pourtant rencontrer la représentante de l'école de la délicatesse pure, Madame Li Chongye. Nous avons compris que les gens de Jianhu devraient être de la culture de la culture. Ce style de culture devrait être simple et délicat. Et elle va nous présenter un plat qui s'appelle Jianhu Bonne-Mère. Ce Jianhu Bonne-Mère devrait être un quel genre de goût? Elle et les autres Jianhu ont quel genre de différence? Si nous voulons savoir tout ça, d'abord, nous devons connaître un peu. 这位江湖奇女子。Madame Li nous explique que le yoga lui permet de ressentir une profonde sérénité en elle. Il faut savoir qu'avant de se lancer dans la cuisine de Jianhu, Madame Li était déjà enseignante de yoga. Mais même si cette dernière n'a pas reçu de formation, les résultats sont plus que probants. Après ses cours de yoga, Madame Li nous emmène dans son restaurant Jianhu. On raconte d'ailleurs qu'elle aurait transformé ce restaurant de plusieurs centaines de mètres carrés en un magnifique jardin de lotus d'un coup de baguette magique. C'est un peu de
这个呀。这不是鱼吗？是啊。那为什么叫好儿女呢？好儿鱼呀、啊。啊，这边叫管它叫耗儿鱼、啊、重庆叫耗儿鱼，取了一谐音，我们那边管那个叫扒皮鱼，北方的。虽然我对厨房没有什么太多的经验，但是你教我还是可以的。可以。咱先从哪步开始？先切配料。Même si les bons enfants ont une peau épaisse et une chair peu délicate, c'est l'un des poissons les plus appréciés des gens du coin. Il faut savoir que la cuisine locale fait la part belle à l'huile et privilégie les saveurs fortes telles que le salé, le poivré et le pimenté.Un style de cuisine parfaitement adapté aux ingrédients qui ne sont pas de qualité supérieure. Ce plat illustre tout à fait ce principe. Afin de pallier la saveur rance du poisson et la mauvaise qualité de sa chair, il faut préparer une bonne dizaine d'ingrédients. Pour notre enquêteur qui n'est pas très habile au couteau, ce travail est des plus fastidieux. Tu vois, je n'ai même pas de耐心. Donc, tu devrais faire plus de choses. C'est pour s'éloigner. Oui, c'est pour s'éloigner. C'est surtout qu'il est jeune. Mais en plus de tous les ingrédients, on peut voir aussi sur la table un outil plutôt singulier. Oh, ce plat, je pense que c'est bon. Ces choses salées sont enfin passées. Prochaine étape. Pour les haoyu, faire zhenjiu. Je suis en train de faire ce pas. Enfin, faire zhenjiu. Ce zhenjiu, comment faire? Viens, regarde. Tu sais, comment faire? Ça s'appelle zhenjiu. Ah. C'est tellement court.这哪针灸？这不是给人用刑吗？知道为什么要做针灸吗？因为耗儿鱼它面上还有一层皮嘛。啊，它这皮很厚是吧？它的味道就不容易进去，所以用那个针把它扎透以后，就让马喂的时候让胃更容易进去，更入味。怎么扎？啊，就这样扎呀。啊，它这皮还真的挺厚的。咦，好惨。Avec la peau épaisse de ces bons enfants, faire qu'ils s'imprègnent des saveurs représente la plus grosse difficulté. Aussi, l'acupuncture de Madame Lee, pratiquée sur les poissons, est le secret de la réussite du plat. Le poisson ainsi piqué doit être alors coupé en morceaux, ce qui permettra enfin aux saveurs d'imprégner la chair. L'âme de ce plat représentatif de l'école de la délicatesse pure provient ainsi d'un savoir-faire particulier permettant aux saveurs de s'ancrer dans la chair.On place dans un saladier un assortiment de légumes que l'on malaxera avec force pour en extraire le jus. Puis, on verse une bouteille et demie de bière avant de mélanger le tout de façon homogène. Cette façon de préparer les ingrédients est ni plus ni moins un choc culturel pour notre gourmet. La marinade des morceaux de poisson ne représente en fait que le premier tiers du processus. La deuxième est la préparation de l'huile faite maison.Pour ce faire, on cuit avec du saindoux, du gingembre, du poireau, de l'oignon, de la coriandre, du piment frais et du poivre. Lorsque les ingrédients ont absorbé l'huile et qu'ils ont produit du jus, on filtre alors le tout pour obtenir une huile cristalline et parfumée. Autant d'ingrédients pour obtenir un seul petit bol d'huile. Notre enquêteur en reste bouche bée. Wow, c'est bon. C'est bon. Et je ne sens pas la sauce.一般好像川菜闻这味儿的时候都特别刺鼻，就特别呛。它是比较内敛的了。对，特别香，特别香。Pour le dernier tiers du processus, il s'agit de faire sauter le tout dans un wok, étape qui sera d'ailleurs la plus courte. On utilise le poivre et le piment du terroir pour rehausser plus encore le goût du poisson.Enfin, il n'y a plus qu'à ajouter l'huile que l'on vient de préparer, des cubes de gelée de soja et d'arroser le tout d'un peu d'amidon juste avant de servir. Wow, 糖不糖？冰糖？还好还好，主要是这是我自己做的。真的，要不是我没记住这么复杂的步骤，如果你要到我家做客的话，我真想给你做一顿这个江湖好儿鱼，是吧？给你尝尝。但是这个过程对我来说实在是太复杂了。走，现在可以开饭了，是吧？可以。走，吃饭去。我没有尝过这么入味儿的，而且这辣味完全渗透到这个鱼肉当中。最关键，那个鱼肉能这么入味儿的那一步，是因为我们拿那个针，钢针，对，做了针灸，然后再去改刀，所以这鱼变得这么入味儿。我原来吃到的重庆的江湖菜是那种特别入口有种爆炸的感觉，你知道吗？刚吃到口里那种刺激感特别的强，但是这个辣度其实刚刚好，比较清新淡雅的味道。对，清新麻辣的。哟，你那个家里那孩子女儿多大了？14。14岁，那这店开多少年了？
12年了。其实相当于自己孩子似的。就是。Li Chongyan est une maman moderne qui s'est engagée dans une nouvelle voie, celle de la cuisine Jianghu. C'est aussi pour cette raison que les plats qu'elle a su créer sont tout à la fois surprenants et originaux, d'où une réussite exceptionnelle. Concrétiser toutes ses idées culinaires, c'est le mode de vie qu'a choisi Madame Li. C'est sa façon à elle de contribuer à la cuisine de Jianghu et à l'école de la délicatesse pure.如果一个你吃了还会被骂的牛肉，你还会去吃吗？我很好奇这个味道到底是什么样子的，但我更担心的就是，万一被骂，万一被轰出来怎么办？所以保险起见，来，我找了一个重庆当地的好朋友小侯，你就带我去吧，替我分担老板的脾气啊！万一被骂了怎么办？我有点紧张。你都紧张？你没来过吗？我之前知道，但是因为听说老板的脾气确实有点火爆，就没有来。哎，那个是吗？在那个小窗户呢？啊，莽子牛肉。Il est temps de vous présenter le fameux spécialiste du bœuf à la mangue, Monsieur Zhou Zuguo. Par chance, il y a une table qui s'est décommandée. Aussi, toute l'équipe du tournage a pu trouver des places. Waouh, 不容易。反正现在一切的原则就是，长牛肉第一，其次更重要的就是，要时刻哄着老板，别把他再惹毛了，把我们这十多个人全轰出去了。Le bœuf à la mangue est également connu sous le nom de bœuf souffre-douleur. Comme on vous l'a déjà dit, ceux qui viennent manger ici doivent d'abord se faire malmener, et notre détective vient juste d'en avoir un avant-goût. On raconte qu'il y a tout un tas de règlements bizarres, comme par exemple celui qui exige que chaque client doive se commander au moins 3 canettes. Là, 看看，我一直以为这个老板传说中的那些规矩啊什么的，算是这个饭店的一个噱头。但是，这是真的，这么多饮料。其实老板做这个就让跟大家点饮料，是因为说他这个牛肉的利润太小了，所以大家多点点饮料才能多赚一点钱。其实按我们的理解，应该是你把牛肉的价格提上来不就完了吗？其实这么说的话，老板还算是诚心做生意。问题就是，你说一人喝三瓶这个，还有心吃这牛肉吗？这喝了一水饱，怎么？每人都喝啊！今天我来给你们发一下。Dans le dialecte de Chongqing, le terme « mangzi » désigne une personne qui agit de manière impulsive. Ceux qui connaissent bien le patron ont ainsi pris l'habitude de l'appeler « mangzi ». Par ailleurs, le bœuf dit à la mangzi, servi en gros morceaux, est bien plus savoureux qu'ailleurs. À Chongqing, dans le milieu de la cuisine de Jianghu, Monsieur Zhou est un personnage qui suscite la polémique. Que ce soit pour l'obligation de commander 3 canettes par personne, pour la quantité limitée de viande par table, pour l'impossibilité de venir sans réservation, ou même pour les réprimandes qui ne manquent pas de tomber sur celui ou celle qui aurait sali le plancher. 新进来俩人，老板不接待，看得我心里好爽啊！Malgré tous ces règlements abracadabrants, le restaurant est toujours plein à craquer. 如果这一桌来过了，那我就等这一桌吃完了，我吃第二轮。两点钟以前，我反正吃完就可以了。Alors, quelle saveur peut bien avoir ce bœuf à la mangue pour que les clients acceptent quand même de se faire malmener de la sorte? Quand
但是这个地方是一个特例，老板是一个江湖气息特别重的人，脾气特性格特别的乖张，但是当你吃到这个菜的时候，就像是你在家里你想吃牛肉了，然后你的爸爸花了一天的时间帮你准备了一锅香香的牛肉，你吃完它就是这样的感觉。我这一路吃过这么多好吃的东西，但是这锅牛肉是我第一次吃完之后会有幸福的感觉。也许你进到这家店的时候你会被老板骂，会被老板甚至是轰出去，但是当你费尽千辛万苦尝到这锅牛肉的时候，你才知道这个老板是一个什么样的人。Le bœuf à la mangue est un plat typiquement familial. La viande, aussi tendre que juteuse, laisse un arrière-goût ineffable. Mais aussi forte que sa saveur puisse l'être, on arrive quand même à déceler le goût de chaque ingrédient. Ce plat, qui à première vue n'a rien de raffiné, offre néanmoins une saveur des plus délicates. Ce n'est pas sans rappeler le moment du dîner, lorsqu'une délicieuse odeur de cuisine venant du voisinage s'installe chez vous. Après le déjeuner, nous bavardons avec Monsieur Joe. Pour ce dernier, c'est le moment qu'il aime le plus de la journée. Un moment où il boit en papotant. Papa, tu n'as pas dit que tu es un peu plus grand. Il a un peu plus grand. Il faut boire. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas boire. Je ne suis pas un peu plus grand. Je suis 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 un peu plus grand.我从来不讲理了，我的牛肉做的工序，所以让顾客看。Lorsqu'il est avec sa fille, l'homme au caractère rugueux se transforme en gentil papa qui adore la parlotte. Il nous explique que s'il n'a aucun problème à ce qu'on le regarde cuisiner sa viande de bœuf, c'est que tout un chacun a beau en connaître le savoir-faire, au bout du compte, la saveur ne saurait être la même.Monsieur Zhou nous raconte qu'avant, c'est lui qui proposait les plus gros morceaux de viande de bœuf de tout Chongqing. Chaque bol ne contenait alors qu'un seul morceau et il ne trichait jamais sur la quantité. Par la suite, c'est par souci de pragmatisme qu'il a été amené à réduire la grosseur des morceaux qu'il proposait. Quant à la préparation en elle-même, le secret de Monsieur Zhou repose uniquement sur le sucre, le vinaigre, l'alcool de céréales ou encore le sel. Des condiments, somme toute, bien ordinaires. Monsieur Zhou a toujours mis l'accent sur le côté familial. Il utilise la même huile que chez lui, lave les légumes exactement comme il le ferait à la maison et cuisine comme si c'était pour sa propre famille. Notre cuisinier, qui a déjà réalisé des banquets de bœuf et qui prépare cette viande depuis des dizaines d'années, possède l'art de cuisiner en suivant son cœur. Ce qui donne à ses plats une saveur que ne renieraient pas nos grands-mères.À 5h de l'après-midi, les clients qui ont fait des réservations arrivent les uns après les autres. Et pour Monsieur Zhou, c'est presque tous les jours le même rythme effréné. Pour les vacances, sa fille rentre toujours à la maison. Monsieur Zhou ferme alors son restaurant quelques jours pour pouvoir rester avec elle à la maison. Cet amour paternel, c'est peut-être bien le secret qui donne à cette viande de bœuf à la mangue une saveur si familiale.Une question restait pourtant en suspens. Comment se fait-il qu'un patron de restaurant si peu aimable puisse encore parvenir à attirer autant de monde chez lui? Mais maintenant, notre enquêteur croit avoir trouvé un début d'explication. S'il oblige les clients à prendre des consommations, c'est pour ne pas augmenter le prix du bol de viande. S'il limite la quantité de viande par table, c'est pour permettre à chaque client de goûter au bœuf qu'il a préparé.S'il demande à la clientèle de respecter la propreté des lieux, c'est que son restaurant est un espace où il se sent chez lui. Le bœuf souffre-douleur est en fait le reflet d'un père un peu trop têtu. Le bœuf à la mangue, plat jianru représentatif de l'école de la pleine vigueur, offre en somme une saveur qui vient du cœur. Chongqing 的江湖菜里，河鲜是非常重要的一种食材，所以你要想了解江湖菜，就得先从这河鲜开始。长江这流域里，估计能吃的
鱼大大小小也有一个上百种了吧，所以这次的调查任务就是要调查这上百种鱼的做法。但是要想调查明白这件事儿，咱得先从认识鱼开始吧，我还一个都不认识呢。先从这儿开始。哎，大哥，张大哥在哪儿啊？在里边是吧？为什么要来这儿呢？李家沱码头，这个地方是一个渔港，来这儿是要找一个人。刚才我管他叫张大哥，但实际上渔民管这个人叫张老大。这个张老大呢，曾经打鱼就打了30年，现在主要是负责收鱼。别人收鱼的时候呢，可能是刷卡交现金，但是张老大收鱼，他只刷脸。À Chongqing, sur les rives du Yangtze, les trois frères Zhang qui vivent sur le quai Li Jiatuo jouissent d'une grande notoriété parmi les pêcheurs locaux. Zhang Xuezhe, l'aîné de la fratrie, achète régulièrement des poissons aux pêcheurs. Mais si ce dernier est si connu, ce n'est pas seulement parce qu'il paie toujours mieux que les autres. En fait, si ces trois frères-là sont aussi célèbres, c'est qu'ils ont commencé à pêcher dès l'âge de 13 ans.哎呦，你这个才叫走遍中国大江南北是吧？整个这一条江全被走。长江这跑了大半个长江嘛，不是吹牛呢？大半个长江都跑过了。Les frères Zhang ont toujours évolué dans le milieu des pêcheurs. Aussi n'est-il pas étonnant que pour ce qui est des poissons, on ne se retrouve meilleur expert. 哇，这一大兜是什么呀？这是黄辣丁，还有石莲头，还有小点鱼呀、啊！这就是黄辣丁是吧？哎，长江黄辣丁，这个吃好啊！这怎么吃啊？这个、哎、做泡椒煲汤啊！泡椒煲汤，这都黄辣丁一天能收多少啊？咱们一天收得到几十斤？哎，那黄辣丁野生的和养殖的能分出来吗？肯定没得事儿，那个怎么分出啊？你看嘛，那个黄辣丁野生的，它各个那些它尖鲜等于说有道儿，你看嘛那个，哎，就是分别那几个各个嘛的，它的尖鲜的看嘛那个位置，它那些啊背鳍更尖一点。它和那个品它长一些位置的，就它长的，它不像那个养殖的是短的，它落团的。啊，野生的是尾巴长，背鳍尖。哎呦，哎，那个鲢鱼啊，都是五加。哇，这么大！但那个鱼呀、啊，肉比较可以，没细吃。哎，它吃起来都小碗的，吃还不会卡到。因为吃鱼没经常吃鱼的，它都喜欢吃鲢鱼。这长江里边什么鱼咱们都要吗？它往那边长江主要是水鱼吃，江段、鲢鱼、黄辣丁、青豆，主要那些鱼打进我们的水里头。Si Zhang Xuezhe, le frère aîné de la fratrie, est celui qui connaît le mieux les poissons, Zhang Xuerai, son frère cadet, est celui qui connaît mieux la façon de les cuisiner. C'est à l'âge de 12 ans qu'il a commencé à mener sa barque sur les flots du Yangtze. Mais Zhang Xuerai est fin observateur. Après plus de 10 ans de dur labeur, il comprend que cuisiner des poissons lui rapporterait beaucoup plus que de les pêcher. C'est à partir de là que la fratrie monte un commerce de plats d'Yangru sur un petit bateau. Au début, il cuisine principalement les produits du fleuve, mais leur affaire se développe rapidement et aujourd'hui, voilà qu'ils proposent une centaine de plats de poissons différents. Une carte impressionnante qui intéresse forcément notre enquêteur. Le travail de la journée est fini et voilà qu'on s'apprête à préparer tout un festin de poissons différents. C'est un peu de poissons différents.啊，直接把鱼，哎，把石锅打到鱼100多度了，再加点鹅石锅进去，直接把鱼下下去都焖熟了。石锅，石锅。哎，香得很。Les frères Zhang nous expliquent que pour ces poissons du Yangtze, chaque variété exige un savoir-faire adapté à ses caractéristiques, seule manière d'obtenir le meilleur. Par exemple, la chair du Huangladin est particulièrement délicate, d'où l'importance accordée à la cuisson. En effet, ce n'est qu'en étant cuit juste ce qu'il faut que l'on aura le meilleur goût possible. Ainsi, après avoir ébouillanté les poissons dans un fond de soupe, on verse le tout dans un pot en pierre préchauffé et il n'y aura plus alors qu'à servir. Ce savoir-faire maximise à la fois la saveur et la consistance tendre et glissante du poisson. C'est
进哪儿的？这就是长江里面的水蜜子。啊，这个水蜜子。哎，它为什么叫水蜜子啊？嗯，它在那个，它有时在水深的地方生长。我看看。哎，比较嫩呐、啊，所以说就是这样。啊、你看，它做为啥子那个说那个鱼的鳞不打呀？啊，它那个鳞吃起是糯的，那张皮是糯的。啊，像水淘过的米似的哈。只为了活，在长江里面为了活它。Le shui mizi est une espèce connue pour la tendreté de sa chair et que l'on ne trouve que dans les eaux du Yangtze. S'il ne faut absolument pas l'écailler, c'est que ses écailles, très riches en collagène, sont en fait la partie la plus nutritive. Pour préparer au mieux ces poissons et faire en sorte que leur peau soit glutineuse à souhait, il faut d'abord faire une friture rapide. Puis, dans un bouillon, il n'y aura plus qu'à les faire mijoter jusqu'à ce que la sauce ait été absorbée. Et si cette sauce légèrement sucrée offre une petite saveur de litchi, c'est pour mieux faire ressortir le goût du poisson. Les frères Zhang connaissent les caractéristiques de ces poissons sur le bout des doigts. Il faut dire qu'à force de les côtoyer depuis des dizaines d'années, ces nombreux poissons n'ont plus aucun secret pour eux. Par exemple, le shui yuzi, connu pour sa capacité à remonter le courant, est très facile à cuisiner. Et ici, il n'y a le besoin de poivre ou de piment, seulement plusieurs sortes de céréales à gros grains qui seront cuites à feu doux avec le poisson. Eh oui! Chaque poisson exige un savoir-faire particulier. C'est ce que des années d'expérience ont appris aux frères Zhang. Quant à savoir quelle est la saveur qu'il privilégie avant tout, le cadet nous répond en nous présentant un énorme poisson. Ça, c'est bien, oui. Cut. Ouh, ouh, ouh. Ça, c'est direct de faire ça. Ça, là. Je veux faire un tabac de chasse, non, pas possible. C'est trop vite. C'est fini. Oui. C'est trop vite, là.我还没看清怎么回事呢，这鱼已经被处理了。一般鲶鱼都应该怎么做呀？做豆花鱼，鲶鱼做豆花鱼、啊。这个叫做豆花鱼。哎，做豆花鱼。Le frère cadet nous explique que c'est bien grâce au poisson chat, au tofu caillé, qu'ils ont ouvert le restaurant Jianhu et qu'ils ont aujourd'hui une vie meilleure. D'ailleurs, toutes les fois où ils se retrouvent en famille, le cadet se fait un devoir de cuisiner ce plat. Mais derrière la naissance d'un plat Jianhu, il y a toujours un assaisonnement fait maison. En ce qui concerne le poisson chat au tofu caillé, la soupe en est l'élément essentiel. On fait d'abord sauter du gingembre et du piment mariné avec du gingembre vieilli pour en extraire les éléments acides qui permettent de se débarrasser des mauvaises saveurs, tout en rehaussant le goût du poisson. Puis, on utilise du piment séché et du poivre pour obtenir une saveur aussi épicée que poivrée. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler les soupes de fondue de M. Yang, notre fan de gras double, qui réalisait sa soupe en fonction des nécessités des ingrédients utilisés dans la fondue. Par rapport à ce genre de savoir-faire, la cuisson du poisson semble plutôt simple, ce qui n'empêche pas d'obtenir au final, avec le tofu caillé, une association de saveurs inégalables. En fait, ce plat offre toute une palette de saveurs différentes, avec la chair bien charnue du poisson, le tofu tendre à souhait, les grains de soja croustillants et le poireau tout frais. De plus, alors que le tofu caillé a absorbé le jus bien gras du poisson, ce dernier se trouve enrobé du parfum délicat du soja, ces deux sources de protéines se complétant ainsi à la perfection. C'est donc avec le doux fumé du poisson au tofu caillé que commence notre festin. Visiblement, chez les gens, l'ambiance est on ne peut plus de Jianhu. Chongqing 的江湖菜，对于他们家而言，他们家的江湖菜是真正产生于江和湖里的菜。其实我觉得每个人对江湖菜的理解都不同吧。在我看来，江湖菜真正的精髓应该是这些身在江湖的人，他们做出的味道，他们人本身的味道，才是江湖菜最本真的东西。